Ce jeudi 6 juillet marque le 75e anniversaire de Nathalie Baye, l'immense actrice qui a marqué l'industrie cinématographique française. C'est pour nous l'occasion de se souvenir des hommes qui ont joué un rôle important dans sa vie, en particulier dans sa carrière et sa vie amoureuse. En 1972, à l'âge seulement de 24 ans, Nathalie fait la rencontre de Philippe Léotard alors qu'elle fait ses premiers pas dans le monde du cinéma. Leur rencontre est un véritable coup de foudre et Philippe Léotard quitte sa femme et leur enfant pour vivre une histoire d'amour avec Nathalie. Malheureusement, les démons de l'alcool et de la drogue rattrapent Philippe et leur relation se détériore. Malgré tous les efforts de Nathalie pour l'aider, ils finissent par se séparer en 82. Philippe Léotard décède le 25 août 2001 à l'âge seulement de 60 ans. Mais l'autre grand amour de Nathalie Baye a été Johnny Hallyday. Ils se rencontrent en avril 82 lors d'une émission de télévision et entament leur relation qui surprend tout leur entourage. En novembre 83, ils accueillent la petite Laura, la seule enfant de Nathalie Baye. Johnny est déjà papa de David, issu de son mariage précédent avec Sylvie Vartan, et il adoptera par la suite Jade et Joy avec Laetitia. Leur relation prend fin en 86, probablement en raison de leurs univers différents, Nathalie évoluant dans les cercles intellectuels du cinéma tandis que Johnny est une icône du rock. Malgré leur rupture et le départ de Johnny pour les États-Unis, Nathalie est restée en bon terme avec le chanteur jusqu'à sa mort en 2017. Après sa séparation avec Johnny, Nathalie a été en couple avec Pierre Lescure, alors PDG de Canal+. Ensuite, elle a une brève relation avec l'homme politique Jean-Louis Borloo. À l'heure actuelle, on ne connaît pas de relation amoureuse officielle pour l'actrice. Mais sa vie est comblée par son petit-fils Léo, né le 7 octobre 2020 de l'union de sa fille Laura avec l'entrepreneur Raphaël Lancré-Javal. Nathalie Baye exprime son amour inconditionnel pour ce petit bout de chou et se dit très heureuse d'être grand-mère. Au-delà de sa vie personnelle, Nathalie est une actrice de renommée internationale qui a travaillé avec de nombreux acteurs et réalisateurs talentueux. Elle a partagé l'écran avec des stars telles que Christian Clavier, Richard Berry, Claude Brasseur, Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Édouard Baer, Patrick Bruel et Guillaume Canet pour ne citer que. Depuis ses débuts dans les années 1970, elle a également collaboré avec des réalisateurs de renom tels que François Truffaut, Jean-Luc Godard, Xavier Beauvois et Xavier Dolan. Parmi tous ses partenaires de jeu, Gérard Depardieu occupe une place particulière dans la vie de Nathalie Baye. Elle ne cesse d'en dire le plus grand bien. Quoi qu'il en soit, on souhaite donc un très joyeux anniversaire à Nathalie Baye, qui, je vous le rappelle, fête ses 75 printemps aujourd'hui.